Chers amis, chers confrères, bienvenue à cette présentation qui est une introduction et un rappel sur les fonctions pulmonaires dans la pratique courante de tout médecin, qu'il soit généraliste, spécialiste, dans n'importe quelle spécialité. Donc on va faire un rappel qui, espérons-le, sera bénéfique pour tout le monde. Les objectifs de cette présentation, c'est de quand même savoir poser l'indication de la mesure des fonctions pulmonaires, d'identifier les principaux critères de bonne qualité, est-ce que c'est un examen qui est acceptable ou pas, puisque c'est parfois c'est pas évident de connaître, parfois on connaît les résultats, on sait que c'est quoi un syndrome obstructif, un syndrome restrictif, mais on ne sait pas quels sont les critères de qualité, et bien sûr de savoir interpréter les résultats et principalement interpréter la courbe débit volume. Alors, quand est-ce qu'on fait une spirométrie? Donc déjà, il faut différencier entre spirométrie et EFR. L'EFR, c'est l'exploration de la fonction respiratoire. C'est un terme qui est assez vaste, qui inclut la spirométrie, la plétismographie, toute exploration de la fonction pulmonaire. Ça peut inclure même le cathétérisme cardiaque, les épreuves d'effort. Donc c'est vraiment trop vaste, et donc c'est en quelque sorte une erreur quand on dit EFR. Donc normalement on devrait parler de spirométrie. Et donc cette spirométrie, elle permet de poser le diagnostic de certaines maladies bronchiques, notamment les deux plus fréquentes, l'asthme et la BPCO, et aussi d'évaluer la fonction respiratoire dans un cadre préopératoire, surtout pour les opérations, les chirurgies thoraciques et certaines chirurgies abdominales hautes qui peuvent être à l'origine d'une diminution de la fonction pulmonaire. Donc on fait une spirométrie pour confirmer que donc le malade est opérable. D'accord, donc pour le diagnostic, donc la BPCO, donc bien sûr ça touche les patients tabagiques, généralement de plus de 45 ans, mais les dernières publications, les derniers travaux déjà, dans notre service, on est en train de faire un travail à ce sujet. On essaye de confirmer des questionnaires qui permettent de cibler quand est-ce qu'on fait une spirométrie dans le cadre d'un dépistage de BPCO. Donc, comme le questionnaire LFQ qui est en train d'être étudié par le Dr Slimani dans notre service, donc il permet de mieux indiquer de la spirométrie en cas de suspicion de BPCO. Mais c'est vrai que les deux critères principaux, c'est le tabagisme important et l'âge de plus de 45 ans. Les autres critères, c'est surtout les crachats matinaux, la dyspnée et deux autres critères. D'accord, pour l'asthme, donc déjà, on fait une spirométrie au moment du diagnostic et on le fait au moment de surveiller le suivi. Et donc dans l'asthme, c'est devant certains tableaux cliniques et d'atopie familiale qu'on va demander cette spirométrie. Parmi les variables que nous permet de mesurer cette spirométrie, donc on va voir ça après avec des schémas plus intéressants, mais en quelques mots, on a la capacité vitale qui est c'est l'air maximal qui peut être inspiré ou expiré, donc avec une manœuvre d'inspiration forcée et expiration forcée. C'est qu'est-ce qu'on peut mobiliser au maximum avec notre poumon. On a le VMS qui est le volume maximum expiré en une seule seconde. C'est ce qui va nous permettre de rechercher un syndrome obstructif, mais on va faire ce qu'on appelle le rapport de Tiffnau avec VMS sur capacité vitale, parce que si le malade présente un syndrome restrictif, il aura un CV qui est bas
Et naturellement, il va avoir un VMS qui est bas. Donc, pour parler de syndrome obstructif, on va toujours faire le rapport VMS sur capacité vitale pour être sûr que ce syndrome obstructif n'est pas dû au syndrome restrictif. Pour le syndrome restrictif, la capacité vitale seule n'est pas suffisante. Pour parler de syndrome restrictif, et on est obligé de faire une plétismographie. Pourquoi? Parce que la capacité pulmonaire totale et le volume résiduel qui reste dans le poumon ne vont pas traverser la bouche. Et donc, il faudra une chambre pressurisée avec une technique complètement différente de la spirométrie, du simple appareil de spirométrie, qui nous permet de mesurer la capacité vitale. Et donc, en résumé, la spirométrie, c'est surtout pour les syndromes obstructifs et pour orienter sur la possibilité qu'il y ait un syndrome restrictif. D'accord? Mais si on suspecte un syndrome restrictif, on est obligé de demander une plétismographie si elle est disponible. Donc, un petit rappel pour la manœuvre qui nous permet donc de faire cette exploration. Donc, il faut savoir que selon chaque appareil, les manœuvres peuvent varier. Donc, je vous conseille de lire, si vous avez un spiromètre, de lire le manuel de votre appareil. Mais en grosso modo, donc on met un pince-nez sur le nez du patient. On s'assure qu'il n'est pas gêné, qu'il n'y a pas un bouton au niveau du cou ou au niveau de l'abdomen qui est en train de le gêner. Il doit mettre l'embout dans la bouche. Il n'est pas gêné par ses dents. Il doit fermer ses lèvres pour éviter qu'il y ait des fuites. Après, on lui demande généralement de respirer un ou deux cycles pour voir le cycle normal. Après, il fait une inspiration profonde. Et après une expiration profonde, en lui demandant d'essayer d'expirer le maximum d'air dès le début, dès la première seconde. Là, c'est pour faire le VMS. Et de continuer cette expiration jusqu'à il reste aucun parcelle d'air dans ses poumons. Ça, c'est pour la capacité vitale. Donc, je vous ai dit, donc ça peut varier d'un appareil à un autre. Mais en grosso modo, c'est ça la manœuvre. Maintenant, on passe à la partie la plus importante de cette présentation à mes yeux, c'est les critères de qualité, les critères d'acceptabilité. Donc, comme pour la radiographie thoracique, il y a des critères de qualité, bon cadrage, bonne pénétration. Donc, pour une spirométrie, il y a des critères où, s'ils ne sont pas présents, quasiment la spirométrie est inacceptable, elle est à refaire. Alors, donc, en résumé, donc, il y a plusieurs critères de qualité. Il y a des critères de qualité technique pour l'appareil lui-même, s'il a été bien calibré, si la marge d'erreur elle est minime. Mais donc je vais me concentrer sur les critères cliniques. Donc déjà il faut voir si cette spirométrie ne contient pas d'artefacts. On va les détailler après. Donc déjà voir si le malade n'a pas toussé, n'a pas fait de fermeture glottique, n'a pas arrêté son expiration précocement, puisque pour un adulte, on exige une expiration, un temps d'expiration de supérieur à 6 secondes. Et donc qu'il y ait bien sûr une coopération complète du patient, puisque parfois on a pour un sujet, surtout pour le service militaire et tout, le patient ne fait pas un effort maximal. Et généralement, on a certaines techniques pour savoir si l'effort est maximal ou pas, de voir s'il n'y a pas de fuite ou autre. Donc, on arrive à faire généralement 2 à 3 manœuvres acceptables. On va confirmer que les résultats sont comparables entre ces résultats, qu'il y a une logique, une répétition entre les différentes manœuvres.
Et après, on va prendre le meilleur VMS et la meilleure capacité vitale pour mesurer l'indice de Tifnot et pour interpréter nos résultats. Donc, au cours d'une spirométrie, on a plusieurs courbes qu'on peut avoir. La première que je vais vous citer, c'est la courbe volume-temps. Et on va voir un exemple d'une courbe qui n'est inacceptable. Donc là, c'est une courbe qui est acceptable. On voit bien que le sujet a expiré ces 6 secondes. Donc là, 6 secondes avec un beau plateau à la fin. Donc là, c'est vraiment une capacité vitale qui est maximale. Et là, on va avoir notre VMS. Et donc là, la capacité vitale qui est un plateau. Et là, un exemple d'une courbe qui est inacceptable. Là, le sujet n'a pas expiré le maximum durant la première seconde. D'accord? Il a fait une petite rampe dans ses efforts. Et donc là, le VMS, il est faussé. Et donc, c'est un examen qui est à refaire. Il y a d'autres erreurs, bien sûr, mais là, c'est un exemple. Là, un deuxième exemple, c'est un sujet qui n'a pas expiré ces 6 secondes. Donc là, peut-être le VMS, il est plus ou moins acceptable, même si on voit qu'il n'a pas fait le maximum d'efforts. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'il n'a pas expiré les 6 secondes et on n'a pas un plateau propre. Maintenant, on passe à la courbe qui est la plus utilisée, qui nous donne le maximum d'informations. C'est la courbe débit-volume. On va voir quelques exemples de courbes donc inacceptables. Donc, la courbe débit-volume a la partie supérieure qui comprend la courbe expiratoire. Et donc, la partie la plus supérieure, c'est l'équivalent du DEP, le débit expiratoire de pointe. Et en bas, on a la courbe inspiratoire. Qui est rarement utilisé, donc c'est parce qu'on est surtout intéressé par la partie expiratoire. Donc là, premier exemple, même chose que pour la courbe précédente. Donc là, le sujet, il n'a pas expiré dès le début avec un effort maximal. Donc c'est la même erreur que tout à l'heure. Donc c'est un examen qui est à refaire. Là, c'est clairement un sujet qui a toussé, parce qu'il faut dire qu'on a beaucoup de sujets qui toussent. C'est quasiment un sujet sur trois, un sujet sur quatre, parce que ils ont l'embout dans la bouche et l'effort d'expiration forcée, ça provoque un réflexe de toux. Et donc, il faut qu'on répète l'examen à plusieurs reprises jusqu'à ce que le patient arrive à maîtriser ce réflexe. Et donc, bien sûr, c'est un examen qui est à refaire. Là, c'est un petit peu délicat, donc parce que ça peut être parce que le sujet n'a pas expiré ces 6 secondes, donc on a une capacité vitale qui est limitée, soit c'est vraiment un syndrome restrictif. Donc là, il faudra là vérifier la courbe volume-temps et voir si on a un beau plateau, est-ce qu'on a les 6 secondes pour confirmer que c'est un problème de technique et pas une vraie atteinte restrictive. Là, on a un petit aplatissement qu'on peut voir pour lorsqu'on a un début, un syndrome obstructif, une diminution des débits périphériques, mais le problème il est là, c'est on a une cassure, donc le patient a fait, il a accéléré la fin de son examen, et donc normalement ça doit être plus prolongé que ça, et il faut vérifier en même temps la courbe volume-temps pour vérifier si on a une expiration supérieure à 6 secondes. Donc maintenant qu'on a vu les critères de qualité, on va voir quelques aspects spécifiques de la courbe débit-volume. Alors là, c'est un exemple d'un sujet
qui est, donc vous avez vu que l'aspect de la courbe il est un petit peu différent. Donc comme on a dit, c'est un début de diminution des débits périphériques. C'est pas synonyme de BPCO, puisque chez les sujets de plus de 65 ans, c'est un aspect tout à fait normal. Si c'est des sujets plus jeunes, ça peut être équivalent à ce qu'on appelle nous un syndrome de diminution des débits périphériques, qu'on pourrait considérer comme un début de BPCO. Donc maintenant, on va voir le syndrome obstructif. C'est l'un des syndromes les plus fréquents. Donc en général, on utilise la courbe débit-volume, qui est beaucoup plus facile et plus intéressante. Mais même pour la courbe volume-temps, on arrive à bien voir l'aspect d'un syndrome obstructif. Avec là, vous voyez que déjà pour le VMS, le patient n'arrive pas à expirer un maximum de volume durant la première seconde. Mais même au bout de 5-6 secondes, il n'arrive pas à expirer l'air qui est dans son poumon. Parce que, comme vous le savez, un asthmatique, un BPCO, c'est généralement une difficulté à expirer l'air qui est au niveau du poumon plus que à inspirer. Et donc le patient arrive difficilement à atteindre son plateau. Et on peut même voir des aspects donc, de gravité ou des aspects de réversibilité. Donc si on considère que cette courbe elle a été faite avant une bronchodilatation, donc on arrive bien à voir une réversibilité ou à voir à comparer la sévérité de l'évolution de notre patient ou, sous traitement ou avec le temps. Donc comme je disais, la courbe la plus intéressante, c'est la courbe débit-volume. On voit bien cette concavité qu'on observe qui est synonyme de syndrome obstructif. Donc cette concavité qui est là. Et donc bien sûr, ça nous permet d'étudier la gravité et la réversibilité. Donc si la première courbe, c'est la courbe en rouge et on met le patient sous 4 nébulisations de ventoline ou une séance de nébulisation de salbutamol, on aura une belle réversibilité sur la courbe débit-volume. Donc là, c'est un exemple d'un syndrome obstructif qui est clair avec une concavité qui est très claire. C'est une limitation qui est modérée dans un cadre d'un sujet asthmatique. Et généralement, pour un asthmatique, c'est une obstruction qui est réversible sous bronchodilatateur. Là, c'est plutôt un sujet qui pourrait présenter un syndrome obstructif ou un emphysème pulmonaire. Donc là, on n'arrive pas à confirmer le syndrome restrictif. Oui, donc c'est un emphysème probable. Donc c'est pas un emphysème confirmé. Donc déjà, l'emphysème, c'est une définition anatomique, donc il faudrait un aspect radiologique. Et il faudra une confirmation du syndrome restrictif par une plétismographie pour mesurer la capacité pulmonaire totale. Donc il faut savoir que le syndrome obstructif il est défini par la définition de l'OMS du Gold par l'indice de Tiffenau qui est inférieur à 70% en valeur absolue. Et pour la sévérité, on va utiliser le VMS. Avec un syndrome obstructif léger, modéré et sévère. Et pour la réversibilité, on va bien sûr étudier le VMS avec une amélioration qui doit être supérieure à 12% et supérieure à 200 millilitres. C'est et non pas ou. D'accord. Et donc, on a plusieurs autres critères. Parfois, on parle de réversibilité forte lorsqu'on a un VMS qui s'améliore de plus de 15% du VMS prédit. Donc, la courbe débit-volume, donc on a vu l'aspect de cette réversibilité. Pour le syndrome restrictif, donc là, l'aspect de la courbe volume-temps est typique avec un plateau qui est inférieur à un sujet normal, puisque c'est un problème qui est restrictif et donc c'est vraiment évident. Pour la courbe débit-volume,
on aura le même aspect qu'une courbe normale, mais qui est rétrécie. Comme vous pouvez le voir, c'est dû à un syndrome qui est restrictif. Et donc, comme on l'a dit, il faut faire attention pour ne pas interpréter directement le VMS et de faire par erreur une interprétation d'un syndrome qui est obstructif. Donc, pour le syndrome restrictif, c'est vraiment, en résumé, il faut une plétismographie. J'aurais aimé pouvoir détailler, mais on est limité par le temps. C'est la capacité pulmonaire totale qui est diminuée, qui est inférieure à 80%. On a d'autres éléments en spirométrie qui peuvent orienter vers, comme on a vu, mais c'est vraiment la plétismographie qui reste un examen plutôt spécialisé qui concerne que certaines pathologies vraiment, vraiment précises. En conclusion, la spirométrie est un examen de diagnostic et de suivi utile dans la pratique courante. C'est intéressant pour explorer certains toux lorsqu'elles sont associées à des dyspnées avec de la sibilance et pour faire un suivi de certaines pathologies, principalement le syndrome obstructif de l'asthme et de la PPCO. Il nécessite de connaître les critères de bonne qualité et d'acceptabilité et d'analyser les courbes débit volume et volume temps et les différents aspects qu'on a vus durant cette présentation et je vous remercie.